You got someone new, I know it. Yeah, but I will keep on denying. No more stat sheets, gotta put in more effort than an athlete. Come match me, say it humbly. Everything that I have, want it all for you. Hello tout le monde, ici c'est Fry Hyde. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui c'est une vidéo tutoriel sur comment j'ai fait mon vanity mirror. Comme vous voyez, il est très grand. Le vanity mirror, c'est un miroir qui est très en vogue dans le milieu hollywoodien, dans le milieu du cinéma, de la photo, de la vidéo. Et c'est aussi très en vogue chez les maquilleuses et chez les youtubeuses. Donc j'ai voulu un vanity mirror, mais il coûte beaucoup trop cher en ligne. Donc j'ai fait mon vanity mirror moi-même grâce aux choses que j'ai achetées sur Amazon, que j'ai achetées aussi dans un magasin en fait de maison qui est juste proche de chez moi. Ce sont des affaires vraiment basiques. Donc vous aussi vous pouvez avoir un vanity mirror à fraction du prix qui est vendu dans les magasins et en ligne, vous même vous verrez. Donc ce vanity mirror, les propriétés que ça a, c'est que c'est l'intensité ajustable. Donc je peux augmenter l'intensité au maximum qui est beaucoup trop et diminuer l'intensité au minimum ici comme ça. Puis les ampoules que j'ai utilisées pour ce vanity mirror, ce sont les ampoules LED. Donc ça chauffe moins, ça consomme moins d'énergie, puis ça dure beaucoup plus longtemps que les ampoules à incandescence. Avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter et de vous abonner si vous aimez mes contenus. Et n'oubliez pas de partager aussi aux autres personnes qui ont besoin de savoir comment faire un vanity mirror. Alors sans plus tarder, on va pouvoir passer à la vidéo. Disclaimer, je ne suis pas électricienne. Toute cette vidéo a été inspirée par la youtubeuse américaine de Fan Guru qui elle-même a demandé conseil à un électricien. Pour la réalisation de ce miroir, vous avez besoin des barres à support pour les ampoules. J'ai acheté une barre à 8 supports pour les ampoules qui va aller au-dessus de mon miroir et deux barres à 6 supports pour les ampoules qui vont aller de chaque côté. Les longueurs des barres dépendent de la largeur et de la hauteur de votre miroir, donc prenez-les en conséquence. Plus les barres sont longues, plus elles sont chères. Donc, plus le miroir est petit, plus il vous reviendra moins cher. Vous avez aussi besoin des ampoules LED. Ce qui est important, c'est que ça soit lumière du jour afin de mieux représenter comment on vous verra à l'extérieur, surtout pour ceux qui se maquillent. Le deuxième élément qui est important, c'est que ça soit à intensité variable afin que vous puissiez augmenter et diminuer l'intensité à votre guise. Donc, lumière du jour et intensité variable. D'un câble avec prise murale, des connecteurs de fil électrique afin de mieux sécuriser le circuit. Le gradateur pour faire varier l'intensité de la lumière. Le gradateur doit être impérativement compatible avec les ampoules LED, sinon ça ne va pas fonctionner. D'un ruban isolant électrique pour encore mieux sécuriser le circuit. Avant de commencer, on va enlever les anneaux qui entourent chaque support à ampoule afin d'enlever la barre du dessus de chaque barre. Le circuit est un simple circuit en série composé de fils noirs et de fils blancs. Un fil représente l'allée du courant, l'autre fil représente le retour du courant. Le principe veut que les fils noirs et les fils blancs ne soient jamais connectés entre eux afin d'éviter un court-circuit. Au milieu de chaque barre, il y a deux fils noirs qui pendent et deux fils blancs qui pendent. En fait, ils ont juste coupé les fils au milieu de chaque barre afin de nous permettre de faire les connexions plus facilement. Pour cette étape, vous avez besoin d'un ruban isolant, des connecteurs de fil, d'un fil électrique noir et d'un fil électrique blanc afin de faire les connexions. Ensuite, vous allez couper trois morceaux de chaque fil, deux petits morceaux de 15 cm environ et un long morceau de 40 cm environ. Et ensuite, vous allez exposer les extrémités de chaque fil grâce à un ciseau ou grâce à une pince. En tout, vous aurez donc trois fils noirs et trois fils blancs avec des extrémités exposées. Pour les connexions, on va se concentrer sur une extrémité tout en gardant à l'esprit que l'autre extrémité est exactement pareille. C'est l'effet miroir. La prise murale est constituée de trois fils. Un fil noir, un fil blanc et un fil vert qui est la mise à terre. Tout comme tantôt, on va exposer les extrémités de chaque fil qui pend. Ensuite, on va prendre un des petits fils noirs de tantôt et le relier à un fil noir du circuit. Et on va fermer le tout grâce à nos connecteurs de fils
Il faut bien s'assurer de bien twister les fils entre eux et de bien tourner le connecteur de fil afin de sécuriser le tout au maximum. On va même le sécuriser plus tard avec le ruban électrique afin d'avoir un circuit le plus sécuritaire possible. Après, on va prendre le long fil noir de tantôt et le relier aux deux fils dénudés de la barre centrale. Le long fil noir va par la suite poursuivre son chemin vers la barre latérale et être relié avec le premier fil noir de la barre latérale et le deuxième petit fil noir qu'on a coupé tantôt. Après, le deuxième petit fil noir qu'on a coupé tantôt va être relié avec le deuxième fil noir de la barre latérale. Tous les fils noirs sont ainsi reliés en série. Les petits fils noirs connecteurs intermédiaires servent seulement à allonger les fils. Si le fil était assez long, il serait pas nécessaire de les ajouter. Pour récapituler, j'ai coupé entre le deuxième et le troisième porte ampoule. Tac, j'ai coupé, puis je les ai reliés avec un fil connecteur comme ça, qui m'a servi d'intermédiaire en fait. Le fil noir d'ici va avec le fil noir d'ici grâce au fil connecteur. Puis après, j'ai mis un isolant. Ici, j'ai connecté les deux fils, le fil connecteur intermédiaire avec ce fil noir ici, avec un autre long fil que j'ai pris, puis qui va jusqu'à la barre latérale. Au niveau de la barre latérale, j'ai connecté le fil noir de la première ampoule avec un fil, un autre petit fil connecteur latéral ici. Et j'ai relié les trois. Donc dans le fond, le long fil connecteur qui part de la deuxième ampoule de la barre du milieu va se relier avec le premier fil noir de la barre latérale et le petit fil connecteur qui va permettre de relier la première ampoule de la barre latérale à la deuxième ampoule de la barre latérale. Donc comme ça. Puis après, j'ai pu relier le petit fil connecteur que vous voyez ici à la deuxième ampoule de la barre latérale, comme ça tout le système est lié entre eux. On reproduit exactement les mêmes étapes avec les fils blancs. On reproduit la même chose avec l'autre barre latérale et ensuite c'est le temps de mettre le dimmer pour ajuster l'intensité de la lumière. Le dimmer et l'interrupteur seront placés au même endroit sur la barre latérale sur laquelle je travaille en ce moment. Je vais d'abord couper les fils qui relient la quatrième et la cinquième ampoule parce que c'est l'emplacement de mon dimmer et c'est là que je vais faire mes connexions. On va prendre le fil noir de la troisième ampoule et le relier au fil noir de la quatrième ampoule. Et ensuite, on va prendre le fil blanc de la troisième ampoule et le relier au fil blanc de la quatrième ampoule et au fil blanc de la cinquième ampoule. Donc, dans le fond, un seul fil blanc ne sera relié à rien, qui sera un des fils blancs de la quatrième ampoule. Les autres fils blancs seront tous reliés. La prise murale est constituée de trois fils, un fil noir, un fil blanc et un fil vert qui est la mise à terre. Le gradateur est composé de deux fils noirs et d'un fil vert qui est la mise à terre. Un des fils noirs du gradateur sera relié au fil noir de la prise murale. L'autre fil noir du gradateur sera relié aux deux fils noirs dénudés de la barre latérale. Le fil blanc de la prise murale sera relié au fil blanc de la barre latérale. Je sécurise toutes les connexions avec le ruban isolant. En passant, les deux mises à terre seront reliées entre elles ultérieurement, mais ce ne sera pas visible dans la vidéo. Donc je vais utiliser une perceuse. Faites très attention quand vous utilisez des trucs comme ça. C'est la première fois que je vais utiliser une perceuse. Donc moi, non, je dois faire attention. Donc là, j'ai pris une sorte de sac troué afin que ça ne perce pas mon sol ou mon tapis. Je sais que mon dimmer sera entre la quatrième et la cinquième ampoule. Donc ça sera comme quelque part ici. Ouais. Dans le fond, je vais juste percer un trou ici au milieu pour que le poc du dimmer puisse sortir.
miroir tout éteint. Mon beau-frère m'a aidé à placer le miroir sur le mur. Il a été d'une grande aide parce que sans lui, je n'aurais pas pu visser facilement sur le mur. Donc, quelques petits conseils pratico-pratiques si vous essayez de faire ce miroir à la maison. En fait, pour placer chaque barre, c'est juste visser la barre du bas de chaque barre avec deux vis. Puis ça se place bien sur le mur. Mais quelque chose qu'on a fait, en fait, on a percé des trous ici et là afin de passer les fils. Vous savez, vous vous souvenez, les longs fils là, ça passait à travers les trous. Soit on a percé les trous pour ne pas écraser les fils avec le temps. Puis sinon, concernant l'interrupteur, on l'a mis ici à l'extrémité droite et non au centre. Initialement, je voulais le mettre au centre. Au centre, ça touchait mon miroir. Puis pour bien passer en fait le dimmer, il a fallu qu'on creuse la barre du bas, la barre droite en bas. On a dû creuser pour pouvoir refermer en fait par-dessus cette barre-ci. Je sais que c'est pas très compréhensible. Je sais pas comment l'expliquer, mais vous allez voir visuellement. Donc, c'est ça. Donc là, l'interrupteur est de ce côté afin que ça se ferme. Donc voilà le résultat final. Je vais l'allumer. Trop bright! Bon, c'est ça pour ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Au revoir!